Le 21 juillet 1944, le petit village d'Espenel dans la Drôme est presque entièrement détruit par les soldats allemands qui le brûlent. Ils réagissent ainsi aux tentatives de la résistance de les freiner dans leur trajet vers le Vercors où, quelques jours plus tard, ils vont semer la désolation. Huguette Botin avait alors 10 ans. Je suis une famille de viticulteurs, on vivait de la vigne. Et on avait des bêtes, on avait des chevaux. Il fallait avoir du foin, il fallait faucher, il fallait avoir du fourrage. Il y avait aussi à la maison, il y avait des cochons aussi, on tuait le cochon. Ils faisaient de la clairette, ils avaient du muscat aussi, mais on faisait pas les bouteilles. La clairette, elle restait en tonneau. Et les clients qui venaient, ils venaient avec des jerricanes de 10 litres, 5 litres, ils partaient avec leur jerrican, mais on faisait pas la bouteille encore. On avait du blé aussi, parce qu'on avait des poules, on faisait des pommes de terre, on faisait tout à ce moment-là. À 10 ans, on réalise pas vraiment la gravité de la situation. On écoute les informations, on écoute les parents qui racontent. La guerre, pour nous, on ne savait pas ce que c'était, nous, parce que dans nos campagnes, la guerre, on ne s'en est pas vraiment rendu compte. On a toujours mangé, on a toujours... Est-ce qu'on avait vu les Allemands, enfin, avant les événements de 1944 ? Non. Non. On savait que les Allemands existaient, mais je ne les avais jamais vraiment vus, rencontrés, non. La première fois que j'ai vu des Allemands, c'est quand ils sont arrivés à Espenel. Est-ce que on voyait des résistants ? Oui, bien sûr, puisque dans le village d'Espenel, il y avait un camp de résistants qui existait à Espenel, qui était dans un endroit qui s'appelait Le Comte, juste au-dessus de la ferme où mon oncle habitait, mon oncle et ma tante, donc ma propre famille, les résistants, ils étaient juste là au-dessus, dans une grosse ferme où ils étaient tous, quoi. Je les voyais. Est-ce que je réalisais que c'était des résistants ? Est-ce que je savais vraiment qu'ils étaient là pour défendre la France, la défendre ? Ou bon, c'est un bien grand mot, hein. Table à la maison lorsqu'on mangeait, ou est-ce que vous avez le souvenir que on parlait de tout ça, ou bien est-ce que au contraire on se tenait à carreau, si vous me permettez l'expression? Ah ben non, on parlait de tout ça, oui, on parlait, bien sûr que j'entendais parler de la résistance. Lorsque les événements d'Espenel vont survenir, si je comprends bien ce que vous venez de nous dire jusqu'à présent, c'était une vie villageoise assez tranquille. Ça absolument, va être... oui. Oui. Et bien, brutalement, le 21 juillet, les Allemands qui étaient à Valence ou qui montaient sont arrivés par les montagnes, par la route, un peu partout, et ils ont mis le feu au village. J'étais dans la maison quand les Allemands sont arrivés. Leur façon de faire pour mettre le feu, ils lançaient des plaques incendiaires dans le ciel. Ça faisait comme un cercle, et quand ça tombait, ça faisait comme une bombe ou comme un pétard, pouf, et ça mettait le feu. Quand ma maison a brûlé, moi, il y avait déjà d'autres maisons qui avaient brûlé. Il y avait une cabane qui était en dessous du village, qui brûlait. Moi, j'étais encore dans la maison avec maman, ma grand-mère. On était encore là. Et la maison brûlait, la cabane brûlait. Donc, les Allemands étaient là. Donc maman a dit, il faut qu'on parte.
Et on a traversé le village, on est arrivé sur une partie du village qui s'appelle le Collet. À ce moment-là, il y avait un avion qui mitraillait. On a juste eu le temps de rentrer dans une remise, qui existe encore d'ailleurs, de rentrer à l'intérieur. J'étais avec maman, ma grand-mère, mon petit copain de mon âge qui avait 8 ans, moi j'avais 10 ans, et la maman de mon copain, Marguerite, qui était une amie à maman. On était là-dessous, et nous voilà en train de réciter notre père, « Je vous salue Marie ». Et pendant ce temps, sur le toit, l'avion mitraillé pendant une heure. Les balles roulaient sur le toit. C'était infernal. Est-ce que j'avais peur? Je ne sais pas, on ne réalisait pas. Mais on a assisté à ça, l'avion mitraillé. Et on a dû rester là une heure largement, quoi. Ma grand-mère était partie, elle, sur le long du mur, elle était partie, elle. Et quand on est sorti de là, quand l'avion enfin s'est arrêté, quand on est sorti de là, devant moi, sur la place, il y avait une espèce de jeep, une espèce de voiture, et à côté, il y avait un jeune qui devait être un résistant avec un fusil à côté de lui, là, debout. Et ce dont je me souviens, c'est que son visage était couvert de boutons. Et là, on est reparti sur la route pour aller à Barbou. C'était un endroit où il y avait une cabane aussi, où beaucoup de gens du village s'étaient réfugiés. Alors qu'on est allé dans cette cabane, on a récupéré ma grand-mère, on est allé dans cette cabane, et là on a attendu longtemps, on a même dormi là. Mais de cette cabane, moi j'ai vu la fumée du village. Tout le monde disait, le village brûle, le village brûle. On a passé la nuit dans cette cabane. On était nombreux, quoi. Et le lendemain, maman a dit, il faut qu'on aille dans une autre cabane. On va marcher toute la journée, on va mettre longtemps pour arriver au Pérouse, parce qu'il y avait l'avion qui mitraillait, il fallait qu'on se cache. Et on marchait dans l'eau, et il pleuvait. Et on était tous trempés. Enfin, on est arrivé au Pérouse, dans cette cabane, où il y avait de la paille. Je crois que c'est mon oncle André qui nous avait préparé des ballots de paille pour être installés confortablement. Hein. Est-ce que vous avez vu des résistants, si j'ose dire, au combat à ce moment? Non, jamais. Jamais. Donc clairement, les Allemands étaient là, c'était une expédition punitive. Ben, je crois que, pour répondre, je crois qu'ils sont venus parce qu'ils savaient qu'il y avait un camp de résistants. Et alors, vous êtes resté donc dans cet abri pendant combien de temps? Au Pérouse, on est resté quelques jours. Au village, il y avait des personnes âgées, il y avait des malades. Et maman et Madame Genevès ont décidé un jour de retourner dans notre maison au village qui n'avait pas brûlé. Alors elles ont dit, pour retourner au village, il faut qu'on sache si on peut y aller. Et il y avait au pont d'Espenel ce qu'on appelait la commandature. C'était le rassemblement du bureau des Allemands qui attendaient les ordres. Voilà. Donc un jour, elles sont descendues, toutes les deux. Elles ont expliqué aux Allemands, est-ce qu'on peut retourner chez nous parce qu'on est dans une cabane, on n'a plus d'eau, on n'a plus rien à manger. Et les Allemands, je rapporte ce que mes parents m'ont rapporté. Ça, moi, je ne l'ai pas vu. Les Allemands ont répondu, nous, on ne met plus le feu. Mais on peut recevoir un ordre et remettre le feu. Et c'est ce qui s'est passé. On est tous arrivés à la maison, maman nous a fait manger. Et on est allés se coucher. Dans les chambres, tout le monde, il y en avait de partout. On était tous couchés dans la maison. Les Allemands, il y a eu une plaque incendiaire qui est tombée juste à côté de la maison de maman. La maison de maman était attenante à une grange à foin. Et la bombe, ou la plaque incendiaire est tombée là, ça a mis le feu. C'était au mois de juillet. Les fenêtres étaient grandes ouvertes. Il y avait les panneaux que ma maman avait
brodée au crochet, qui brûlait quand j'ai ouvert les yeux. La maison, elle commençait à brûler, parce que ça, la grange à foin, ça a vite brûlé, quoi. C'était rapide. Alors tout le monde, maman a réveillé tout le monde, fait réveiller tout le monde, était réveillé. Mais ce qu'il faut dire aussi, que dans le même temps, monsieur, dans le même temps, c'est qu'il y avait des Allemands aussi dans la maison. Vous savez ce qu'ils venaient faire, les Allemands? Là, vous allez être surpris sans doute. Ils aidaient maman à sortir les vêtements. Ils aidaient maman à sortir les vêtements qui étaient accrochés. Un matelas. Je vois un Allemand qui était en train de tirer un matelas. Maman essayait de sortir de sauver des vêtements, qui a aidé maman à sortir un matelas. Et puis nous, comme il y avait des enfants, il y avait moi, ils disaient plus Bambi, ils cherchaient, ils demandaient s'il y avait plus d'enfants aussi. Vous voyez ce côté aussi. C'est quand même fou, hein. Quand maman était descendue à la commandature, ils avaient dit qu'eux ne mettaient plus le feu, mais que d'autres qui pouvaient recevoir un ordre, mais que tous les hommes de 16 à 70 ans, tous capoutent. Alors elles étaient revenues dire à mon oncle, à mes oncles, à tous les hommes qu'il fallait partir, quoi. Et les hommes étaient partis ce jour-là dans un lieu qui s'appelait Autonil. Et nous, donc, on était partis au pont d'Espenel, où les Allemands nous avaient, comment dirais-je, on était presque des otages. S'ils avaient beaucoup de morts, eh bien, nous, on aurait été fusillés aussi. Alors moi, je suis partie avec ma voiture de poupée, ma poupée dedans et un sac de farine que maman avait mis dans ma poussette. Et on est descendu au pont d'Espenel. On était tous en bas. On vivait avec les Allemands, parce que les Allemands étaient là aussi. Il y avait les vieux Allemands qui étaient humains. Et puis il y avait ces jeunes Allemands, c'était les SS, qui nous faisaient manger à midi. Il y avait un appartement, on dormait tous par terre. Hein. Et maman montait tous les jours à Espenel, à pied, pour chercher... Elle avait caché des choses, elle avait caché des morceaux de lard, elle avait caché des saucisses, parce qu'on tuait le cochon à la maison. Et elle montait pour chercher à manger. Elle rencontrait les Allemands dans le village, qui étaient corrects, tout à fait corrects, qui disaient bonjour. Un jour, quand on était au village avec maman, on rencontrait les Allemands qui nous disaient « Aujourd'hui, trois capoutes. » Alors, moi je suivais maman. Hein. On montait au village, et au village, dans une maison qui avait brûlé, il y avait une descente d'escalier. Il y a maman qui dit, là, il y a quelqu'un là. Et donc, on s'est avancé, on a reconnu un monsieur d'Espenel, qui avait été tué par les Allemands, qui était là. Et puis, il y a eu aussi, on a vu aussi en montant, au-dessus d'une route, il y avait deux jeunes résistants qui étaient morts là. C'était horrible d'ailleurs, hein. Ils avaient le crâne complètement bourré d'asticots. Qui était mort là. Un jour, qu'on redescendait au café-restaurant, il y avait au pont d'Espenel, derrière une maison dans la colline, il y avait un résistant qui était blessé. Et on entendait qu'il appelait. Alors, maman et son amie, elles trayaient les chèvres qui étaient dans le village. Et elles lui donnaient à boire du lait. Et il avait dit à maman, ça a été fait d'ailleurs, c'est pas maman qui l'a fait, mais c'est une voisine, il avait dit, s'il m'arrive quelque chose, vous donnerez mon nom, je suis de L'Oriole. Il avait donné son nom, j'ai son nom encore bien sûr, elles l'ont noté. Et à ce moment-là, il y a deux Allemands qui sont arrivés de Vercheny en vélo, qui l'ont vu, qui sont montés dans la colline avec nous, qui ont levé son pantalon, et dessous il avait un short kaki. Alors ils ont mis la mitraillette ou le fusil sur la poitrine de maman et ils ont dit « terroriste ». Le short kaki, voilà. Alors, maman leur a dit, il est blessé, on voudrait le soigner, est-ce qu'on peut appeler quelqu'un pour le soigner, pour lui donner des soins? Et là, ça a été l'horreur. C'est que là, ils l'ont descendu
au bord de la route, dans la remise, il y avait une échelle, ils l'ont mis sur une échelle, et devant nous, ils l'ont fusillé. Celui qu'on a vu au pont d'Espenel et qui a mis ce jeune sur une échelle, il n'aidait pas à sauver qui que ce soit. Hein. On a quitté Espenel parce qu'on ne pouvait plus rester. Tout avait fini de brûler. Après, on a vécu un petit peu au pont d'Espenel, là. Et après, on est parti à Saillant, dans une maison qui appartenait à des cousins. Et à ce moment-là, il y a cette colonne allemande qui arrive, qui nous arrête. Et il y avait devant moi, comme je vous vois, il y avait un vieil Allemand avec une barbe comme ça, qui s'arrête. Je ne peux pas dire que j'avais peur, je ne réalisais pas, quoi. Tout le monde, toute la colonne était arrêtée. Et il vient vers moi, il me prend dans ses bras, et il me serre contre lui. Et je ne peux pas dire exactement ce qu'il m'a dit, mais à un mauvais français, il disait « Plus la guerre, moi enfant, pas nouvelle. » Et il pleurait. Et puis il me repose par terre, comme ça. Puis il défait, il avait une espèce de musette dans le dos. Il défait sa musette, il la met par terre, il ouvre sa musette, il sort une boule de pain et qu'il met dans ma voiture de poupée, parce que j'avais toujours ma poupée. Moi, j'avais sauvé ma poupée, moi. Hein, j'allais pas la laisser. Hein. Et il me donne sa boule de pain. Et en partant, il m'embrasse encore et il part. Et ben ça m'a marqué, vous voyez, parce que longtemps après, quand je réalisais les choses de la vie, l'Allemagne, les camps de la mort, les fours crématoires, la déportation, et que je repensais à cet Allemand, c'était un homme comme vous et moi, et qui souffrait, et qui avait sans doute fait la guerre de 14, et qui était là parce qu'il était là, mais il ne savait plus pourquoi il était là non plus. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est quelque chose qui m'a marqué, ça. Cet Allemand qui pleurait de me voir, moi, qui pensait à ses enfants. Quand nous étions à Saillant, dans la maison de mes cousins, il y avait des Allemands qui habitaient en face, qui avaient réquisitionné la maison d'en face. Et le soir, ils venaient parler avec nous de la guerre. Ils venaient, mais comment on discute, vous et moi? Je pense que c'était des hommes comme beaucoup d'hommes qui étaient à la fin de la guerre aussi et qui avaient aussi plaisir à rencontrer d'autres personnes et de faire un échange avec eux, de parler un peu de la guerre, un peu de ce qui se passait. Mais c'était des rencontres. D'ailleurs, quand ils sont partis, ils avaient dit, à la fin de la guerre, à la fin de la guerre, si on peut revenir, on reviendra vous voir. Ils avaient dit, on ne les a jamais revus hein, quand même. Ils sont peut-être morts à Valence. Hein, parce qu'après, quand ils ont quitté le Vercors, il y a eu une grande... À Valence, il y a eu un grand truc, il y a eu beaucoup de morts. Hein. Au milieu de la guerre, le général soviétique Vlassov et ses hommes bascule dans le camp allemand. Vlassov est en effet convaincu que Staline, dont il a pourtant été un chaud partisan, prive ses troupes de renforts et les envoie ainsi à une mort certaine dans leur combat contre la Wehrmacht. Ils vont donc désormais se battre sous uniforme allemand. On les appellera dans toute notre région les Mongols, alors qu'ils sont plutôt ukrainiens. Ils vont tuer, piller, brûler, voler et violer. Le garde champêtre, là, quand il passe dans le village à Saillant, j'étais à Saillant, il passe, les Mongols vont arriver, que les femmes restent chez eux, cachez vos bijoux, cachez votre argent. Alors donc, je les ai vus. Les Mongols buvaient, ils se saoulaient beaucoup. Et un soir, ils avaient vu qu'il y avait des femmes dans cette maison. Et, bah, évidemment, on fermait tout à clé. Évidemment, un soir, ils sont venus tambouriner en bas dans la porte. Ils venaient voir les femmes, quoi. Et les Allemands qui étaient en face, qui ont vu les Mongols, ils sont sortis pour nous sauver. Si les Allemands n'avaient pas été là, ils enfonçaient la porte, ils venaient violer maman et l'autre femme et l'autre amie. Ils venaient pour ça, ils ont violé des femmes dans le coin. Hein. Je sais qu'ils ont violé, je ne veux pas dire leur nom, mais il y a eu des viols de femmes.
ces hommes qui vont se cacher, est-ce qu'ils ont réussi à se cacher de telle sorte d'arriver à échapper ? Tout à fait. Tout à fait, parce qu'ils sont partis. Ils sont restés au Tonil. Les Allemands, ils ont brûlé le village le 21 juillet. Le 21 août, les Américains passaient au pont d'Espenel. J'étais avec mon petit copain là, de 2 ans, mon plus jeune. On descendait des tomates aux Américains et j'ai fumé ma première cigarette américaine. J'avais 10 ans. J'étais déjà contaminée. Écoutez, et donc, nos hommes qui étaient partis au Tonil, ils sont restés au Tonil tout le temps. Donc, ils ont échappé. Il n'y a personne qui est mort de tous nos hommes qui sont partis. Non, ils sont revenus quand la guerre, quand les Allemands sont partis, ils sont revenus à Espenel. Vous vous souvenez de votre impression lorsque les Américains arrivent ? Ah ben là, on sentait la joie partout. On sentait la joie, il n'y avait plus cette angoisse de voir quelque chose de brûler. Moi, j'étais obsédée par le feu. On sentait que tout le monde était heureux. On chantait, on dansait, il y avait des balles au coin de rue. On était heureux, mais je ne réalisais pas. J'ai vu plein de choses quand même. J'ai vu des femmes tendues. Dans la région à Espenel. À Saillant. Est-ce que vous êtes retourné par la suite à Espenel ? Est-ce que vous avez vu, si j'ose dire, Espenel se redresser, se reconstruire ? Oh ben bien sûr. Il y a eu donc la fin de la guerre, il y a eu des prisonniers allemands qui sont arrivés à Espenel et qui ont participé à la construction du village. Il y a beaucoup de gens qui ont été recueillis dans des maisons parce qu'ils ne pouvaient pas revenir au village. Donc il y avait des gens qui étaient à Saillant. Nous-mêmes, nous étions à Saillant. Il y a beaucoup de gens qui ont vécu dans des caves, dans des remises. Ma famille a vécu dans une cave pendant longtemps. C'était la terre battue par terre. Il a fallu attendre que le village soit reconstruit pour que chacun puisse aménager dans ce nouveau village avec les maisons neuves, quoi. Vos copains de classe ou de jeu, il y en a combien qui vont rester à Espenel après tout ça ? Mais il y en a qui sont restés. Les gens qui ont pu revenir à Espenel, qui avaient un terrain, une vigne à travailler, ils sont restés à Espenel. Il y a peut-être des gens qui sont partis, qui sont allés ailleurs, mais en gros, les gens sont revenus à Espenel, à mon avis. Huguette Bottin a vécu une vie de viticultrice non loin d'Espenel, à Barsac. Mais lorsqu'elle revient dans son village natal, invariablement, elle retrouve de vieilles connaissances qui, depuis fort longtemps, la supplient de raconter cet épisode terrible de la guerre, car elle en est très probablement le dernier témoin. Tu parles, c'est plus ma maison. Hein. Ah, oui, la maison. Oh qui est là. Là là, mais qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont tout cassé. Ils ont tout démoli. Ils ont cassé toute ma maison. Fais voir un peu là-bas. On peut y aller ? Bah, oui, moi je la connais bien. Il y avait une porte avec une poignée, tu sais, ces grosses poignées ovales là. Et ma jument, quand j'arrivais le soir, elle arrivait là. Elle attrapait la poignée dans sa bouche, dans sa gueule, et elle frappait à la porte. Ah oui, la porte d'entrée. Ma grand-mère lui ouvrait la porte, elle mettait ses deux pattes, et ma grand-mère lui donnait une tranche de pain avec du sucre. Ça
ça, ce laurier, c'est maman qui l'avait planté. Ma Dédé, on ne se fait pas la bise, mais je te prends quand même dans mes bras. Moi aussi. Je te prends quand même dans mes bras. On nous filme, là. Filmez-nous. C'est mon amie de toujours. C'est une cuisinière exceptionnelle. Mais c'est sûr que Espenel, c'est un beau village. Moi, Espenel, c'est mon enfance, c'est mon bonheur, c'est mon amour, Espenel. C'est ce que j'ai grandi, ce que j'ai vécu à Espenel, avec mes grands-parents, avec mes oncles. C'est ce qui fait que ce que je suis aujourd'hui, parce que j'y ai connu que du bonheur, que de l'amour, à Espenel, avec les gens autour, avec ma famille. Bien sûr que j'ai été traumatisée par ce village qui brûlait. Ça m'arrive encore de rêver. Je cours avec un enfant dans les bras et le feu me poursuit. Mais ce que j'ai vécu quand même, mon enfance avec ma grand-mère, avant que le village brûle, dans cette maison où j'ai été tellement heureuse,